Coucou, c'est Coximelle. Et bien aujourd'hui, je vous retrouve parce que la dernière fois, on avait fait des petits amigurumi Pokémon, Evoli et Pikachu, vous vous souvenez? Et bien aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la Pokéball au crochet qui va avec les petits amigurumi. Voilà. Donc ça va être super sympa à faire tout ça, des petites Pokéballs comme ça qui vont en décoration avec les petits amigurumi Pokémon, ou bien alors voilà, que vous pouvez donner, vous pouvez faire ça pour vos enfants, ils peuvent jouer avec, c'est léger et tout, c'est rigolo, c'est solide et tout, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Je vous dirais pas de les donner aux chiens quand même, hein, mais peut-être à un chat, pourquoi pas aussi, hein, en petits jouets comme ça. Allez, eh bien écoutez, je vais vous donner les explications de tout ça. Si vous voulez faire les petits amigurumi, vous vous reportez à la vidéo d'avant. Si vous avez besoin d'apprendre le crochet, parce que bon, c'est quand même assez simple les Pokéballs là, hein. Donc si vous avez besoin d'apprendre le crochet, vous vous référez à mes vidéos, mes tutos de vidéos que j'ai sur ma chaîne Coccinelle Bricole. Voilà, parce que vous pouvez juste apprendre le crochet avec ça, avoir des petites astuces et tout. Regardez bien, allez fouiller dans ma chaîne, vous allez trouver tout ça. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook, nous avons un groupe qui s'appelle Au bricolage de Coccinelle. Sur ce groupe, vous avez des choses en avant-première, vous avez des explications en plus, vous avez des petits jeux, des petits concours. Et puis voilà, on peut discuter, vous pouvez poster vos photos. Et du coup, voilà, il y a un peu plus d'interaction quand même que directement sur YouTube. Voilà, en attendant les explications de ces petites Pokéballs au crochet, eh bien, on n'oublie pas de mettre des petits pouces bleus, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne, on n'oublie pas d'activer les petites cloches pour être au courant de toutes les vidéos. Allez, c'est parti les gens, bon crochet! Allez, c'est parti pour le matériel qu'il va vous falloir pour cette jolie Pokéball. Alors, je vous rappelle que si vous voulez faire les petits amigurumi Pokémon, ici, nous avons fait Evoli et Pikachu. Eh bien, c'est dans la vidéo précédente que vous allez retrouver ce tuto avec tous les liens pour acheter les choses dont vous auriez besoin. Hein, pour la laine, la mousse, tout un tas de choses. Hein, les yeux et compagnie. Ça, c'est dans la vidéo précédente. Et aussi, je vous rappelle que vous pouvez vous référer à toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube Coccinelle Bricole. Vous allez trouver tous les points de base du crochet si jamais vous voulez apprendre le crochet, des astuces. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller dans mes vidéos et dans les tutos que j'ai déjà postés. D'accord? Alors là, il va vous falloir de la laine blanche, de la laine noire, de la laine rouge. Vous pouvez prendre des restes de laine, vous pouvez acheter de la laine. Tous les liens pour acheter sont dans la vidéo précédente. Il vous faut un crochet. Moi, c'est de la laine 3.54, donc du coup un petit crochet numéro 4, une petite paire de ciseaux, un petit marqueur et puis des petites aiguilles à bourron et de la mousse que j'appelle aussi de la bourre comme ça pour mettre à l'intérieur de la Pokéball. Alors voilà, ça va très bien avec les petits amigurumi. Vous pouvez faire toutes ces petites choses-là ensemble pour vous ou pour vos enfants ou pour des enfants. Franchement, tout le monde sera super content. Allez, c'est parti maintenant pour les explications de la Pokéball. Allez, on démarre avec la laine blanche. Donc on va faire un petit cercle magique en faisant une boucle. Et dans cette boucle, vous allez me faire 8 mailles. Donc la première, on l'accroche et on remplace la première maille par une maille en l'air. Et maintenant, on en met 7. Hein. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on tire sur le petit fil comme ça et on va s'accrocher sur la 8e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on s'accroche donc ici avec une maille coulée. Voilà, vous fermez bien parce que bon,
C'est mieux qu'il n'y ait pas du tout de petits trous ici, hein. Et pour le troisième tour, eh bien, vous allez faire deux mailles en l'air, comme ça, hein. Et puis, vous allez doubler toutes les mailles serrées. Donc, il faut doubler, y compris celle-ci. Donc, vous piquez dans le même trou et voilà, vous en faites deux comme ça. Et à partir de là, vous allez faire 2, 4, 6, 8, comme ça, vous doublez toutes les mailles serrées jusqu'à en obtenir 16. Hein, donc, on double les 8, on fait 16 et on s'accroche sur la première maille des deux mailles en l'air qu'on avait faites ici au bout. C'est parti. Quand vous avez vos 16, hein, vous vous accrochez donc sur la maille en l'air qu'on avait faite au départ, voilà comme ça. Et maintenant, on va passer au quatrième tour. Le quatrième tour, vous faites deux mailles en l'air, comme ça. Vous refaites une maille serrée dans le même trou, comme ceci. Et à partir de là, vous allez faire une maille serrée, deux mailles serrées dans le même trou, une maille serrée, deux mailles serrées dans le même trou, voilà, et ceci jusqu'au bout, et vous vous accrochez avec une maille coulée, et vous devez avoir 24 mailles en tout, vous les comptez bien pour savoir si vous êtes OK. C'est le quatrième tour. Allez, on est parti pour le cinquième tour. Donc, je me suis accrochée dans la 24e maille à partir du crochet. Donc là, vous faites deux mailles en l'air. Et là, vous ne faites pas une maille serrée dans le même trou. Vous le faites dans le trou suivant. Hop, une maille serrée ici. Et à partir d'ici, vous allez refaire exactement la même chose. Une maille serrée. Deux dans le même trou. Une serrée. Deux dans le même trou. Vous continuez jusqu'au bout et vous devez avoir 36 mailles au total et vous vous accrochez. On s'accroche donc sur la 36e maille. Et à partir de là, vous allez mettre un petit marqueur comme ça. Ou une petite épingle à nourrice, hein, ce que vous voulez, un trombone. Voilà, vous allez mettre un petit marqueur ici parce que à partir de là, il va falloir faire. Vous allez me faire 5 tours de blanc, d'accord, hein. Donc en démarrant toujours bien par les deux comme ça, vous allez faire 5 tours de blanc en gardant vos 36 mailles, d'accord. Donc on est parti. Voilà, donc, 1, 2 déjà, 3, 4, et on continue comme ça jusqu'à 36, on accroche, et on en fait 5 tours comme ça, d'accord? En gardant nos 36 et en accrochant. 2 mailles en l'air pour démarrer, hop, 36 mailles serrées, on accroche et on en fait 5 tours. Et on peut compter par rapport au petit marqueur qu'on a mis. Je vous retrouve à mi-parcours pour une petite astuce. Donc là, voilà, je recommence un tour de 36, hein, d'accord? Donc là, voilà, moi ce que je fais, donc là vous dites 1, 2, 3, et vous comptez à voix haute. Parce que je trouve que ça, compter à voix haute, ça aide à ne pas se tromper jusqu'à 36. Alors maintenant que vous avez fait vos deux tours de noir, vous allez pouvoir couper le fil noir et maintenant vous accrochez le rouge comme on avait fait précédemment, hein. Donc vous accrochez le fil rouge, voilà, c'est le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Allez, deux mailles en l'air, faut bien rigoler un peu. Voilà. Et puis on est reparti. Alors attention, maintenant, on est parti sur 5 tours de 36 mailles, hein, 5 tours de mailles serrées, comme on avait fait pour le blanc juste avant, d'accord? Donc 1, 2, allez, c'est parti. On part sur 5 tours de mailles serrées en rouge.
36 bails. Une fois que vous avez terminé les 5 tours de 36 mailles rouges, alors on arrive ici, donc on va compter. Là, vous allez pouvoir retirer le petit marqueur. Voilà. S'il veut bien se retirer. Alors, si on compte, on avait donc 5 tours ici, plus 2, plus 5. Donc, ça fait 12. Hein. Donc, plus les 5 qui étaient ici, ça fait 17. Donc là, on va dire qu'on arrive au 18e tour. Alors, pour le 18e tour, voilà ce que vous allez faire. Hein. On va maintenant faire des diminutions. Donc, pour le 18e tour, vous allez faire ceci. Vous allez faire 2 mailles en l'air. Ensuite, une maille serrée dans la suivante. Et regardez comment vous allez faire les diminutions. Vous allez faire une diminution ici. Donc, je viens chercher le fil. Je pique dans la suivante. Je vais chercher le fil. Et je sors les 3 en même temps. Et ensuite, on fait une maille serrée. Ensuite, une autre diminution. Je vais chercher le fil. Je vais chercher le fil. Je sors les 3 et je fais une maille serrée dans la suivante. D'accord? Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Ok? Allez, ça va bien serrer. Alors, je me suis accrochée. Donc maintenant, voilà ce que vous allez faire. Vous allez chercher les petits fils à l'intérieur, comme ça. Vous tirez un petit peu dessus. Voilà. Et puis, vous allez les couper juste un petit peu, comme ça. Voilà. Sinon, ce sont des fils qui vont rester dedans. Vous laissez... Coupez pas le rouge, hein. Non, non, non. Celui-là, on en a besoin. Donc, maintenant, on va mettre la mousse à l'intérieur de la boule. Allez, c'est parti. Je vais enlever mon petit crochet pour mettre la mousse. Ou la, moi, j'appelle ça de la bourre, mais après, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Hein, que ça soit la laine, la mousse, les crochets, toutes ces choses-là. Dans la vidéo précédente des amigurumi, j'ai mis des liens si vous voulez commander. Hein. Tout ça. Voilà. Allez, on veut une boule bien ferme. Après, il ne faut pas faire trop non plus parce qu'après, on aura du mal à continuer. On aura du mal à continuer si on en met trop. Hein. D'accord? Donc, voilà. Voilà. On va faire comme ça. Déjà là, vous allez voir, ça va devenir un petit peu plus dur. Oups, j'ai défait une petite maille. C'est pas grave. Hein. Vous savez, quand c'est comme ça, on reprend, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Bon, allez. Maintenant, on va vraiment beaucoup, beaucoup resserrer. D'accord? Donc, je vous explique ce qu'on fait au tour suivant. Pour le 20e tour, eh ben, vous allez faire exactement la même chose. Là, vous ne faites pas de maille en l'air. Hein, là, hein. Vous faites juste une maille serrée. On laisse une maille. On crochète dans la suivante. Maille serrée. On laisse une maille. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vous reste à peu près 6 mailles sur le dessus. D'accord? Une fois qu'il vous reste à peu près 6 mailles sur le dessus, vous allez couper le fil, vous le rentrez dans une aiguille, voilà, vous le passez à l'intérieur de la boucle, vous pouvez le faire avec le crochet aussi bien ça, hein. Alors, hop, avec l'aiguille, c'est pareil, ça revient au même, et puis là, ce que vous allez faire, vous allez fermer le dessus de la petite boule en passant dans les mailles. Voilà, dans les dernières mailles qui sont là, vous fermez le dessus de la boule
Et petit à petit, vous voyez que ça va se refermer. Voilà, vous tirez. Passez votre fil, hop. Comme ça. Ici, on va faire un petit nœud. Passez le fil dans quelques mailles sur le dessus. Comme ça. Voilà. Hein. Vous pouvez le repasser un petit coup dans l'autre sens. Pour que ça soit plus solide. Ensuite, vous pouvez couper le fil. Sans couper l'ouvrage, bien entendu. Vous mettez votre petite bouboule en place. Comme ça. Hein. Voilà. Et puis, l'étape suivante, ça va être de faire le petit bouton pressoir ici sur le devant. D'accord? Allez, on fait le petit bouton pressoir de la Pokéball. Donc, pour ça, vous allez faire à nouveau un petit cercle magique avec le fil blanc et vous allez y mettre 4 mailles dedans. Donc, la première, vous accrochez. Vous faites une maille en l'air comme ça et puis vous allez donc en faire 3 à l'intérieur pour faire 4 mailles en tout. Voilà. Vous resserrez le petit fil, vous vous accrochez à la quatrième, donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Comme ceci. Voilà. Vous faites une maille en l'air, 2 mailles en l'air, pardon. Vous allez doubler celle-ci dans le même trou. Voilà. Et puis à partir de là, vous allez doubler les 3 autres. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on s'accroche. Donc maintenant, voilà, je me suis accrochée. Vous allez couper le fil. Vous prenez la laine noire. Voilà, vous allez vous accrocher avec la laine noire. Vous tirez sur le petit fil blanc. Voilà, pour que ça s'accroche bien comme ça. Hein, vous faites à nouveau 2 mailles en l'air, donc avec la laine noire. Pardon, la deuxième, je n'ai pas pris le fil complet, donc voilà. Ensuite, vous allez à nouveau piquer dans la même, dans le même trou que les 2 mailles en l'air pour doubler, voilà. Et puis là, eh bien, vous allez doubler les 8 mailles de manière à en avoir 16. Donc, 2 mailles serrées dans la même, 2 mailles serrées dans la même, 2 mailles serrées dans la même, jusqu'à ce que vous en ayez 16. D'accord? Hein? Ça marche? Allez, c'est parti. Donc, allez, on en a déjà 2, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et on accroche. Allez, vous vous accrochez à la 16e en partant du crochet. Vous laissez un petit bout de fil parce que c'est ce fil-là qui va être utilisé pour coudre le petit bouton pressoir. Vous fermez la petite boucle comme ceci. Voilà. Voilà, là, vous pouvez couper les petits fils, sauf celui qui va être utile pour la couture. Donc, pas trop court non plus, hein, mais juste, voilà, pour qu'il vous embête pas, qu'il ne vous embête pas quand vous allez coudre. OK? Donc, vous prenez votre Pokéball, vous regardez où sont les marques, voilà, hein, derrière. Voilà, à chaque fois qu'on a fait un tour de plus, il y a des petites marques. Hein. Et puis là, le petit bouton pressoir, eh bien, vous le mettez juste en face. Donc, en fait, ça va être à peu près ici. Vous démarrez, voilà, vous positionnez comme ça, à peu près au milieu. Hein. Voilà, là, vous allez utiliser votre aiguille. Et puis, avec des petits points,
comme ça, vous allez coudre tout le tour. Vous faites attention à ce qu'on... Vous n'allez pas trop loin avec les petits points. Il ne faut pas qu'on les voit. Il faut vraiment que ce soit juste en dessous du bouton, comme ça. Hein. Voilà. Il ne faut, faut pas aller trop loin, parce que vous allez resserrer. Puis en plus, on va les voir, ça ne sera pas joli. Donc, on fait ça et puis on se retrouve. Quand vous avez fini de coudre votre petit bouton, vous faites un petit nœud, comme ça, et puis vous rentrez le fil. Voilà, vous allez rentrer le fil, comme ceci. Il ne faut pas qu'on le voit, hein. Hop, par exemple. Voilà. Et puis, vous pouvez couper. Faites attention de ne pas couper votre ouvrage, hein, parce que ce serait trop dommage. Hein. Donc voilà. Et puis là, ben, voilà, vous appuyez un petit peu, voilà, pour que ce ne soit pas trop en relief. Et puis, voilà, votre petite Pokéball est terminée. Donc, vous pouvez la mettre avec les petits amigurumis Pokémon qui vont avec. Les enfants peuvent jouer avec. Enfin bon, c'est rigolo parce que du coup, voilà, on peut la lancer, elle est toute légère et tout. Enfin, c'est rigolo quoi. Voilà, allez. Eh bien, écoutez, c'est parti. Et je vous souhaite bon crochet à tous.